rendez-vous, je vais être obligée de vous mettre en relation avec l'accueil, mais comme je vous ai dit, le poste est déjà occupé. Vous voulez rappeler un peu plus tard? L'enfant, il n'a pas trouvé de stage et sa période de stage est... Alors, c'est quand? C'est en urgence. Là, il a déjà fait et perdu. Ça a commencé lundi. Et ce matin, j'étais convoquée à l'école. Il m'a dit systématiquement qu'il faut qu'il trouve un stage en gestion. Ah oui, ça a déjà commencé. Il n'a pas. J'ai déposé à la poste, ils ne l'ont pas pris. Je ne sais pas comment il se présente. Mais ici, il n'a pas déposé. Il n'a jamais déposé. Non, c'est justement c'est le principal qui m'a dit ce matin allez voir à la mairie. Il faut qu'il fasse son stage. Bon, si ça a commencé, il vaut mieux appeler le centre administratif pour voir s'ils peuvent le prendre en urgence. Vous avez le numéro, s'il vous plaît. D'accord. C'est quoi pour vous l'accueil idéal? Qu'est-ce qui manquerait À Forville, là? Ouais. Je trouve que c'est bien l'accueil. C'est quoi le pire accueil que vous puissiez imaginer? Oh ben, que je puisse imaginer, que les gens ne soient pas aimables et qu'il y ait très longtemps à attendre, voilà. D'accord. Le pire accueil, c'est ça. Mais ce n'est pas le cas ici? Pour moi, ça n'a jamais été, non. Vous voyez, comme je suis retraité, je m'arrange toujours pour venir. Vous voyez, là, je pensais même que c'était fermé, c'est pour ça que j'ai dit je vais y aller quand même. Mais non, j'ai fait des heures de pointe, bien sûr. Moi je sais parce que ça fait très très longtemps que j'habite à Alfortville. Et donc voilà, je sais qu'il y a des jours, il y a le samedi et enfin une heure avant la fermeture, il faut éviter aussi. Donc là je me suis vraiment déplacée à cause du photographe. Donc, sinon je ne serais pas venue, j'aurais appelé ou je serais allée sur Internet. Oui, parce que vous avez tout. Oui, exactement. Vous préféreriez envoyer le mail, mais vous savez que ça va pas être. Il risque de ne pas y avoir une réponse. Oui, donc moi c'est vraiment le téléphone. L'idéal pour vous, c'est le téléphone. Téléphone, exactement. On pas a le mail. Non, parce qu'on a l'information tout de suite. Un des premiers appels que j'ai réceptionné, bonjour, alors j'habite telle adresse, machin. Quand elle m'a donné l'adresse, je sais déjà que ce sont des immeubles et que ce sont des immeubles sociaux. Ouais. Donc c'est pas la ville n'en est pas propriétaire. Et elle me dit j'ai pas de chauffage. Et donc pour la coincer gentiment, poliment, je lui dis mais je comprends pas pourquoi vous appelez la mairie. Elle me dit ah oui parce qu'en fait ah oui alors je sais pas quoi oui c'est avec l'OGL, je sais pas quoi, je sais plus, il faut appeler l'OGL. Les gens c'est un problème mairie. Vous pouvez me laisser vos coordonnées. Je vais regarder. Alors. Rien de métallique à part le téléphone dans les poches. Des clés peut-être, vous allez les poser là, vous passez le portique, vous les récupérez. Good. Allez-y, monsieur. Tu as sonné ? Oui, parce qu'il y a des gros boutons métalliques. Ah. Oui, en même temps, je fais partie aussi de l'accueil un peu. On s'est rendu compte qu'à des moments, il y a une espèce de congestion. Pendant que les dames sont à l'accueil, surtout quand elles sont au téléphone, il y a du physique. Et entre le physique et l'accueil, on s'est rendu compte que des fois, il y a du monde. Et quand l'huissier n'est peut-être pas là, en train de aider au courrier ou dans les étages, donc c'est compliqué pour tout gérer. Du coup, à chaque fois que je savais que, par exemple, pour un tel service, il fallait s'adresser à l'état civil, disons à l'accueil des affaires générales ou même au PRU. Bon, c'est une initiative que j'ai prise. Hein. Donc je les supplée, j'indique. Voilà. Et quand je ne sais pas, je me réfère à elle ou alors je les envoie vers elle. Jean-Marc, donc, qui est agent de sécurité, a pris un rôle d'agent volant en fait. C'est à partir du 20. Oui, du 20. Oui. Voilà, vous avez toute la première page à remplir en lettres majuscules et à l'encre noire. La fiche de l'année dernière, il y a 2 ans, je l'ai gardée. Ah, donc. Ok. Donc vous n'êtes vous pas allé sur Internet chercher les informations? Non. Vous n'êtes pas allé vérifier que ça n'avait pas changé? Non. C'est un risque que ça ait changé. Et que vous deviez faire un aller-retour après. J'ai appris le nécessaire. Ok. Donc là, vous avez toute la doc. Ouais. Vous allez remplir le CERFA sur place. Ouais. Et après, vous aurez terminé. En même temps, c'est un document très important, donc je pense que c'est nécessaire. Parce que la dernière fois, je pense que j'avais fait une demande de... Je voulais faire le passeport de ma fille et le document, il y avait un document qui manquait. Oui. Et la mairie m'a envoyé un courrier. Et le courrier, je ne l'ai jamais reçu. Et j'attendais tranquillement chez moi le passeport de ma fille. Et les vacances approchaient et j'ai tenté de me déplacer.
La dame m'a dit qu'elle m'avait envoyé un courrier que je n'avais jamais reçu. Je pense que c'est important de temps en temps de voir sur place comment ça se passe. Bah, c'est le boîtier qui nous permet d'appuyer quand on est libre, de façon à ce que le numéro s'affiche et que la personne qui a le ticket bleu correspondant au numéro rentre au bureau qui l'appelle. Vous pouvez me redire pourquoi vous êtes venue ? Pour venir chercher mon passeport, en fait. Ok. Et vous avez attendu longtemps avant d'arriver jusqu'ici ? Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ? Non, j'ai franchi les portes de la mairie, j'ai passé la sécurité et tout de suite on m'a dit de venir au bureau numéro 3, voilà. En fait, vous avez dit à la sécurité pourquoi vous veniez ? Non, même pas, en fait. Bon, je suis arrivée ici, je me suis présentée à la dame qui est au service des papiers, je ne sais pas comment ça s'appelle, et voilà. D'accord. Reviens sur moi, le sourire, c'est important. C'est très important. Déjà, on pose déjà qui on est et comment l'usager va être accueilli. C'est vraiment très important, que ce soit de l'accueil physique ou l'accueil téléphonique. Parce que le sourire au téléphone, ça s'entend. Déjà, il y a comme moi, je vois, ils arrivent là, donc moi, c'est moi qui vois en premier, là, ici. Hein. C'est vrai que c'est vous qu'on voit en premier. Oui. Et puis peut-être, ma collègue, il ne la voit pas. Ouais, elle est cachée. Elle est cachée par le poteau. Ouais. Donc c'est moi qui vois en premier. Ouais. Je ne veux pas parler de ma collègue au pré-accueil, ça n'a rien à voir. Mais moi, c'est moi qui vois en premier. Donc si je la regarde, et puis. Parce que bon, les usagers, ils ont une appréhension hein, quand ils viennent dans une administration. Mais il y en a qui viennent même sans rien. Ils prennent aucun renseignement. Si je vous dis, ce n'est pas la généralité. Oui. Mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Les choses qui arrivent, qui viennent, les mains dans les poches. En plus, j'ai vu Béatrice, à chaque fois, elle demande « Vous avez bientôt vos papiers ?» Ils disent « Oui, oui. » Ouais, oui, mais il y a un pré-accueil. Ouais. Mais bon, entre le « Oui, oui, oui » là et ce qui va arriver ici, il y a des fois, il y a... Il y a un écart. Il y a un écart. Du coup, c'est pour le séjour au ski qui est prévu entre le 17 février et le 28 ou le 24, je ne sais plus. Et donc mon fils a été sélectionné, ce serait pour faire le règlement, mais j'ai mal lu, j'ai mal écouté le message du coup. D'accord. Donc ça commence demain. D'accord. Donc vous êtes venu juste pour avoir des infos, mais c'était trop tôt quoi. Trop tôt. Mais du coup je vais lui donner le prix quand même du séjour. Du séjour. Genre il n'aurait pas été sélectionné, on m'aurait appelé la Beaujoie. Voilà, ok, c'est bon. Ça doit être la troisième ou la quatrième fois que je viens et ça, j'ai toujours été reçue tout de suite et agréablement. Par contre, souvent dans les services administratifs, c'est un peu cloisonné. Les services sont un peu cloisonnés, donc vous avez des gens qui se limitent peut-être à répondre à votre question, mais qui ne voient pas forcément l'impact peut-être sur une autre démarche que vous auriez à faire éventuellement ou une conséquence sur un autre domaine. Déjà, est-ce que vous préférez un agent qui soit debout et qui directement traite votre demande avec la machine et vous donne le ticket ? Ou est-ce que vous préférez une personne qui est dans une banque ben, moi, personnellement, je préfère aller directement. Directement. Mais est-ce que ça ne va pas supprimer le poste d'accueil ? Ben non, il est là. C'est même... en a un autre. Oui, c'est la même personne, sauf qu'elle n'est pas dans la même configuration spatiale. Quoi. D'accord. Pourquoi vous préférez celui-là ? Ça me semble que c'est plus rapide. Ouais. Il me semble que c'est plus rapide. Oui, ça évite de passer entre les deux boîtes, entre les deux services. Quoi. Voilà. Si vous avez plusieurs demandes qui concernent par exemple deux services, trois services, avec un peu de chance, vous pouvez vous retrouver dans un seul espace avec un agent qui va traiter. Vous n'êtes pas obligé d'aller là. Voilà, exactement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien, parce que c'est vrai que des fois, on a plusieurs choses à faire en même temps et c'est dispatché. C'est dispatché. Là, aller là après. Et vous avez l'impression de perdre du temps dans ces cas-là lorsque vous avez des demandes Non, celui-là j'aime bien. Oui, c'est très possible. Sauf qu'il faut que la personne à qui je vais m'adresser puisse être à même de répondre à toutes mes demandes. Est-ce que vous pensez qu'une borne de ce genre pourrait. En fait, le principe c'est un peu comme faire ses courses par exemple. Oui, mais non. Non. Vraiment, c'est. Non. Ça me fait penser un peu à la CAF, tout ça, quand vous dites la sécu. Et des fois, vous avez. Vous ne pouvez pas tout par rapport aux questions qu'on a et tout ça. C'est pas bien. Il n'y a pas tout sur la borne, c'est pas vrai. Après, dans votre système, s'il y a plusieurs bornes avec peut-être une ou deux personnes qui auraient un pigeon, si on voit que ça bloque, oui, ça peut aller vite aussi. Un accueil physique peut apporter plus aussi qu'une machine. Le côté humain, c'est toujours plus sympa aussi. Ça fait moins froid comme accueil. Moins froid, oui. Ouais. Et au niveau des informations que peut donner une personne par rapport à une machine, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Ça peut être plus complet. Ouais. Ça peut être plus complet. Sur une demande particulière, ouais, ça peut orienter plus facilement. Et laisser l'usager un peu autonome aussi. Ouais, voilà, une forme d'autonomie. Pour les jeunes, tout ça...
assez sympa. Après, bon, je pense peut-être pour les personnes âgées, tout ça, l'accueil humain était plus adapté pour moi. Bah parce que c'est plus rapide, on a un interlocuteur qui permet de répondre à plusieurs demandes en même temps et je trouve ça intéressant. Je devais être en train d'écrire le dernier mot, donc mettez-vous en binôme avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Maintenant c'est encore plus dur. Vous allez vous mettre à 4 et il faut une fiche pour 4. Et vous avez 2 minutes. Solution à son problème, ça me plaît. Un bon accueil, l'échange, c'est ça là qui est retenu. Parce que moi, je sais pas, elle échange en temps. Alors c'est vrai qu'on regarde dans les fiches, un bon accueil, c'est pouvoir repartir avec toutes les réponses à ses demandes et pas être obligé de revenir. C'est vrai, hein. Alors, donc un bon accueil et l'échange entre personnes sur une écoute active. Et du coup, on a rajouté que ça se passe donc de façon agréable. Et que la demande de l'usager soit prise en compte et que la solution au problème soit validée. Suite à l'enquête, on a fait émerger un certain nombre d'idées, il y en a exactement 43. Mais parmi ces idées, il y en a plein qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes. Donc on va vous demander de hiérarchiser ces idées. Alors pour cela, on va vous demander de travailler en binôme et chaque binôme aura le droit à 8 votes. Et on va vous demander de poser la gommette pour voter pour les idées qui vous plaisent le plus. Dans mon service, on l'a déjà un peu utilisé pour le PAX. Et c'est vrai que c'est très très bien. On fixe des rendez-vous, les gens ils arrivent, ils rentrent, ils sont pris en charge, ils repartent. Pourquoi vous avez sélectionné ça? Parce qu'actuellement, le poste d'accueil de la mairie se trouve entre deux poteaux, deux agents. On voit un agent, on ne voit pas le deuxième agent quand les usagers arrivent. Même si ça a été amélioré, c'est vrai que ça a été amélioré, c'est quand même difficile. On a tempéré, des fois le mot personne ne fonctionne pas. D'accord. Il faut l'activer, il y a tout ce suivi technique électrique. Et puis finalement, même quand on arrive au premier étage, au rez-de-chaussée, pardon. Les portes qui donnent accès aux affaires générales, toutes les portes sont manuelles en fait, finalement. D'accord. Et venir en poussette, même pour le GRU, c'est un service où il y a vraiment des enfants et ça mérite. Je trouve que ça mérite. Voilà, il faut vraiment en plus avoir vraiment un sens d'accueil, en fait, du terme accueillir, parce que avoir un petit bout de comptoir, c'est pas accueillir quelqu'un. Ce serait bien d'avoir une brochure pour présenter les organismes, parce qu'on lit aussi le magazine mensuel. Qui présente plein de choses, mais en fait, moi j'utilise la ligne 103. Il y a plusieurs établissements publics devant lesquels je passe, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est. On pourrait penser à deux choses. D'une part, à l'usager, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très vite compréhensible. C'est-à-dire, par exemple, il y a un titre et un texte qui dit, qui a un libellé suffisamment simple et court pour qu'on puisse le recevoir. Enfin, tout le monde ne suit pas ses mails tout le temps dans sa vie de tous les jours. Et après, on peut aussi penser à l'agent qui doit envoyer ça. Il faudrait une base de données, je pense qu'ils ont ça, Amazon ou les autres, une base de données où en un clic, on envoie, voilà, tout est automatisé. En fait, ce qu'il faudrait, c'est aussi une imprimante Wi-Fi, parce que la plupart des administrations, et je tiens à mettre le point là-dessus, dématérialisent les documents, et pourtant, quand il faut qu'on apporte la preuve, nous demandent une preuve matérielle. Un système de rappel téléphonique lorsque l'usager n'est pas pris en charge. Donc de pouvoir être rapide si on n'arrive pas à joindre le service. Vous pouvez écrire l'histoire sous l'angle de quelqu'un qui vient, donc de l'expérience d'un usager qui viendrait dans cette nouvelle mairie.